Le gouvernement de la République décide de participer à l'exposition universelle de Paris de 1937, même si c'était une période critique, pour montrer au monde ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole. La République invite les meilleurs artistes espagnols pour représenter le pavillon espagnol, par exemple Picasso. Picasso, qui a été invité à réaliser une grande peinture murale à l'entrée du pavillon, commence son chef d'œuvre, le Guernica, après avoir lu l'article dans l'Humanité sur le bombardement de Guernica. Une œuvre d'art qui devient l'icône de l'art du XXe siècle et symbole universel de la paix.